nouvelle génération malade. Nous venons une génération pas réfléchir sur bon bagay. Nous avons une génération qui a réfléchi comment pour brasser Saint-Sio. Nous avons une génération qui a réfléchi qui j'ai pour modeler l'école. Je dis à des bons jeunes qui font photo, pas faire le pas face, ni faire le bado. Ça veut dire, son génération intellect écrasé. Ça veut dire, mode de réflexion, nouvelle génération écrasée. Ils n'ont pas réfléchi sur rien qui a contribué à la vie. Tout ça, ils ont réfléchi, c'est pas qui a contribué à la mort. Si vous n'avez pas 17 ans, la pensée sous ménage. Mais non, 17 ans, et pas le moment pour penser sous ménage. 17 ans, c'est le moment pour penser, est-ce qu'on va devenir un ingénieur? Est-ce qu'on va devenir un infirmier? Est-ce qu'on va devenir un nurse? Est-ce qu'on va devenir un agronome? 17 ans, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Intellect, vous êtes. Volonté, vous êtes. Vous venez faire face à une génération qui n'a pas une intelligence dans le choix que vous avez. La volonté, c'est cette capacité qui nous permet de choisir. Nous vivons une génération qui est malade en ce qui concerne le choix à faire dans la vie. Je dis, il n'y a pas vu de l'église, mais pas étonné aux amis qui ont dit dans le club, libre à l'aile, mais il n'y a pas vu de l'église. Comment une génération comme ça qui a produit le monde qui a poids dans la société? Une génération qui choisit visionnel au lieu de l'église. Une génération aujourd'hui, hein, ou après, un monde qui parle tout type de bêtises, li font direct, li gen 10 000 mouns, et puis ou a parlé bagay sérieux, gen 5 mouns kap gado. Génération, ça fait choix la mort au lieu la vie. Mais c'est bien dommage. Nous, cette mentalité mondaine, je dis à rentrer l'église, que les gens qui même dans l'église, qui choisit un coup païen. Levez-moi, dis Seigneur, guéris-nous moi. Dis Seigneur, guéris-nous moi.